Il est très bien, pas très cher. Oh. Ah ouais? Salut. Hein? Ah, même pas nous connaître, regarde, je vais lui demander, même pas on va connaître. Ouais, c'est un bon. Salut tout le monde. Bon bah salut tout le monde, je suis à la brocante de Boulogne. C'est juste à côté de la SFP pour ceux qui connaissent Boulogne. Les studios de TPMP, les studios de Touche pas mon poste. C'est juste à côté, bah on passera à côté de toute façon. Et on est à la recherche des cartes Pokémon et jeux vidéo. Et j'ai tout trouvé des cartes de Dragon Ball Z. Du coup, je partagerai ça avec mon ami qui est aussi fan de Dragon Ball Z. Comme moi. Et du coup, pour l'instant, j'ai trouvé que ça. Mais zéro jeu vidéo. Ah si, j'en ai trouvé un tout à l'heure. Mais ici, Mouno. Salut tout le monde, salut tout le monde. Alors je suis à Boulogne-Billancourt, dans le 92, juste à côté de la SFP de Boulogne. Alors pour ceux qui s'intéressent, il y a des mini Dragon Ball, de tout. Il y a toujours un stand de jeux vidéo normalement qui est dans le secteur. Je sais pas où, mais il va l'avoir. Salut Raya. C'est la brocante du 92 dans la Boulogne-Billancourt à côté de la SFP de Boulogne. Marcel, non c'est pas Marcel Samba, c'est. Moi bon, j'y suis allé à pied donc je sais plus la station. Le T2 c'est Sèvres en tram. Sèvres. Pour l'instant il n'y a pas de. Si. Bonjour, juste pour savoir, vous faites à combien le lot? Ça, c'est à 5 euros. 5 euros, 5 euros. D'accord. Et vous avez que ça ou vous avez... Ah oui, il y en a d'autres non, là. Je vais garder ici. Ouais, je vais garder. Je peux les voir, s'il vous plaît. Ah, ça fait du bruit. Ouais, ça fait du bruit. C'est merci. Bien. Alors. Ça, c'est en anglais. Ça, là, 5 euros. C'est des trucs magnétiques. Je l'ai. Ah, c'est 5 à 3, oui, c'est bon. Je peux voir les autres, s'il vous plaît. Merci. C'est bien ça. Vous vendez combien? 5 euros aussi. Hein. Ça va oui. On va prendre ça s'il vous plaît. Attendez, il y a une question. Ça va aller. Il y a, il y a d'autres choses ou pas? De quoi, de jeux? De jeux vidéo, non, et tout, c'est tout ouais. Ok. Vous pouvez me le faire à 8? Non, non, parce qu'on les a déjà baissés. 9. Comme ça, je gagne 1 euro. Bon, allez. Comme ça, au moins un petit euro, quoi. Ça va, non? Histoire d'avoir négocié, au moins. Ouais, allez. Merci. Bonne journée, au revoir.
Putain, j'avais perdu un truc. Ouais, ouais voilà, ça. Ah, bon, c'était rien. C'était rien. Mais toi, t'as combien les DVD, tout ça, les jeux? C'est entre 1 et 3 euros. Ouais. Ok. Il va nous descendre. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ça, c'est que de l'homme. Et là, il y a des shorts, il y a des pantalons aussi. Ah, tous les pantalons. Là, il n'y a que deux shorts. Il y a ça et ça. T'as tout le reste, c'est les J'irai. Par hasard, c'est combien, vous faites la combien les deux jeux pour savoir? Celui-là? Ouais. Ça fait 4 euros. Ok, bon, je reviendrai de toute façon, c'était juste pour repérer. Ouais, ça marche. Je fais mon petit tour et après je vais voir. Pas de problème. C'est comme j'ai un gros billet, c'est pour ça. A plus tard. Parce que j'ai un gros billet. Ouais, c'est pas ouf là pour l'instant. Bah, du coup, en fait, c'est parce que si je voulais prendre ces jeux-là, c'est parce que 4 euros, j'ai pas mis 4 euros là-dedans. Excusez-moi, vous n'avez pas de jeu vidéo par hasard? Non. Caché, comme ça je demande. Je vous en prie. Merci, bonne journée, au revoir. Alors, vu toi le conseil, vous êtes le 10e. Ouais, bah j'imagine. C'est très très bien. J'imagine que tout a été pris depuis. Hein. Merci, hein, au revoir. Il y a tous les ratisseurs qui ont ratissé comme des cassos. Il faut savoir que les ratisseurs, ils ont tous des problèmes psychologiques. Ils achètent, ils engrangent et au final, ils se retrouvent à découvert comme des cons, parce qu'ils savent pas gérer. Ils savent pas gérer leur argent, donc ils achètent. Ça devient maladif et du coup, ben, ils se retrouvent à découvert et qui est-ce qu'en profite? C'est Bibi. Ils n'ont plus d'argent. En fait, c'est maladif en fait. Pour certaines personnes, c'est maladif. C'est pour le plaisir, je m'en fous. Je m'en fous. Bon, j'avoue que s'il y avait un gros lot qui passait devant moi, ça me foutrait les boules. Mais bon. Je pense que je me remettrai très vite. Hein. Vous allez voir qu'ils n'ont pas si bien ratissé que ça. Je suis à Boulogne-Billancourt, hein. En 92. Thank you.
J'arrive. Bon, cette rue-là, il n'y a que dalle. Avec les cartes Pokémon, mais bon. Après, je ne vais pas lui ramener que des communes. Hein. Comme les inconnus, il y a les bons et les mauvais. Il y a les bons ratisseurs et les mauvais ratisseurs. Il y a 99% des ratisseurs qui viennent tôt le matin, bah, c'est des mauvais. Parce qu'ils sont malades, en fait, les mecs, ils dépensent. Ils voient un truc, ils prennent, et après ils se retrouvent à découvert. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'acheter pour se retrouver à découvert, ou est-ce que ça vaut le coup d'acheter pas cher et ne pas être découvert? Je vous laisse réfléchir. Parce qu'au final, ils auront tellement peur de ne plus avoir d'argent qu'ils vont tout revendre pas cher pour que ça parte, et au final, ben, il n'y a aucun bénéfice. Donc pas d'intérêt. Alors moi, je recherche les jeux vidéo, mais bon. Alors, comme vous savez, les petits ratisseurs là, c'est un petit peu malade de ça, hein. Elles sont passées avant. Les autres sociaux, je m'inquiète pas parce que je les récupérerai après. Donc, je les connais, ces mecs-là, généralement, ils tiennent pas le coup. Ils ratissent, ils se retrouvent à découvert, comme je disais. Et après, ils n'ont plus de sous. C'est prévu. Et qui est-ce qu'ils appellent? C'est Bibi. Et moi, je vais leur acheter au prix vide grenier. Parce qu'ils auront peur d'être à découvert, donc là, ils auront peur, et du coup, ben, ils vont tout revendre vite. Ah, tu vois, où s'en est. Alors ça c'est dégueulasse. C'est les stands dégueulasses de Romain, où les tranches des jaquettes, des Blu-ray et des DVD sont complètement décolorées. À éviter. Alors évitez tout à fait ce genre de personnage. Parce que vous allez perdre votre cheveu pour rien. Ah, on a pas beaucoup, mais... Si vous connaissez le chat, on est un peu tous dans le même cas, en fait. Après, faut pas que ça devienne maladif, hein. Ça devienne un plaisir. Parce que les mecs, ils viennent très tôt le matin. Ils ont un budget, je sais pas, on va dire, de 50 euros. Ils vont dépenser leurs 50 euros au bout de, je sais pas, une demi-heure. Et après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont trouver d'autres trucs ailleurs. Parce qu'il n'y a pas que celle-là comme brocante, par exemple. Et puis celle-là, elle est grande, hein. Et ben, ils vont aller à... au bout de la rue, ils vont trouver un autre truc, ils vont aller chercher une carte, leur carte bleue, ils vont prendre la carte bleue, ils vont sortir de l'argent. Et à la fin, bah, je dis, vous devinez le reste de l'histoire. Hein. Je vais appeler mon... Attendez, je vais appeler mon...
mon père si vous voulez l'acheter. Parce que ça vous fait un iPhone pas cher si vous changez votre téléphone. Bonjour. Ça vous fait un iPhone pas cher si vous changez l'écran. Je peux vous regarder. Bonjour, vous avez d'autres jeux vidéo à part cela? Non, désolé, j'ai que des jeux. Ok, merci, bonne journée, au revoir. C'est pas fou. C'est-à-dire qu'il y a quelques années de ça, quand je faisais les brocantes, il n'y avait pas tous les ratisseurs. Donc il y a toujours un truc. Et c'est le problème avec ces mecs là, c'est que il faut qu'ils achètent. Donc si c'est de la merde, ils achètent. Si je vous fais montrer la tête des mecs qui font ça, vous allez voir. Vous allez commencer à comprendre de quoi je parle. Voilà, c'est bon. Désolé. Oh, ça sent bon. Ça sent bon. Moi, je les aurais vendus avant. Ouais. Là, je viens de rencontrer un ratisseur, ça se voit direct. Il marche très vite, il bouscule les gens. Alors, moi, ce que je fais pour les contrer, ah, un petit chien. C'est marrant. Bonjour. Bonjour, est-ce que vous vendez des jeux vidéo par hasard? Non, il n'y en a plus. Caché quelque part, non? Non, il n'y en a plus. Ok, bon, bah, tant pis. Merci. Au revoir. Les gens, ils poussent, putain, c'est désagréable. Mais en pousser un, ouais, ils vont comprendre. Ouais, vous avez des jeux vidéo, mais les ratisseurs sont passés. Ah, franchement. Vivement qu'ils aillent un peu psychiatrique, ces mecs-là. Faut que ça soit un plaisir. Hein. Bon, non, le bled ici, excuse-moi, mais si ça, c'est le bled. Excuse-moi, mais il y a une différence. Hein. Déjà, il n'y a pas de sable ici. Là, je t'amène au plus de Saint-Ouen, tu vas voir ce que c'est que le bled. Hein. Oui, c'est quel côté qu'on a repassé. Bonjour, c'est combien? Une part de DVD. Non, c'est une cassette. Bonjour. 2 euros. C'est une cassette. Hein. Comment? C'est une cassette. Hein. Ah, au cas où. Oui, c'est une cassette. Non, ça non, je sais pas. Non, je sais pas parce que c'était pour prévenir. Parce qu'elle disait DVD. Oui, c'est ouais. Chacun. Ouais, vous en avez d'autres? C'est la dernière? Je crois, ouais. Bon, celle-là, c'est les anciennes. Vous pouvez me la faire à 1 euro? 1 euro. Ok. Alors là, j'ai pas de monnaie. Ah, du non, tout. On n'a pas de monnaie. Ah, ouais. Là, on n'aura pas du tout de monnaie. C'est pas du tout une monnaie. Ah si, peut-être. Ouais, mais il est vite, bon. Parce que je suis en train de regarder. Moi, je fais des recherches. C'est bon, je vais donner. Hein. Ok. Bonne journée. Oh, j'ai une monnaie. Je sais pas pourquoi, j'avais l'impression que j'avais pas de monnaie. Voilà, bien joué, Max. C'est ça. Et en fait, là, ici, là, pour ceux qui savent pas, mais c'est j'ai plus que 20% de batterie. Donc ça reste coupé. Ici c'est les studios de Touche pas mon poste. Moi bon, je crois que je ferai que cette brocante, j'irai pas à Meudon, hein, pas me prendre la tête. De toute façon la semaine prochaine il y a une grosse brocante là près de chez moi. Je vais y aller très tôt. J'y serai à 6h du matin, comme ça à côté de chez moi. Exceptionnellement. Donc du coup. Du coup, j'irai celle-là.
Et je garde des sous pour celle-là parce que je sais qu'il y aura des trucs lourds le matin. Ça sera du très très lourd donc. Et là j'ai plus de 20% de batterie. Bon bah dès qu'il y a marqué 10%, j'ai été obligé d'arrêter de live parce que ces téléphones de merde là, putain. iPhone là, putain. Télécharge à une vitesse. Pour l'instant, ouais, c'est des fausses. Il va en demander 50 euros pour des cartes fausses. Donc, non merci. Donc au mec il disait qu'ici c'est le bled, excuse-moi mais on est à Boulogne s'il te plaît. Si tu compares ça au bled, je t'emmène à Saint-Ouen. Je pense que ça va vite te calmer. Et là tu verras vraiment ce que c'est que le bled. Voilà, t'as tout compris. Ah si t'es à côté Max, ça Max. Si t'es à côté, viens faire un tour. Hein. Viens me faire un petit coucou, ça fait plaisir. Hein. Après bon bah les ratisseurs sont déjà passés ce matin. Ils ont dépensé tous leurs sous-sous. Ils en ont plus là. Du coup, bah moi je vais pouvoir profiter de ce qu'ils ont oublié. Parce que là ils ont plus de sous-sous. Hein. Et dans quelques semaines, là, je pense que si une semaine ou deux, ils vont appeler, ils vont tout foutre sur le bon coin, tout ça. Ils vont être un PLS parce qu'ils n'auront pas d'argent pour la prochaine brocante. Ouais, parce qu'il faut bien avoir des sous pour la brocante. Faut pas être malin. Hein. Ils ont un budget de 50 euros, moi j'ai un budget de. Voilà. Moi je suis aisé au niveau des la brocante. J'ai assez pour terminer le reste du ratissage. Ah, Max, si tu veux venir, hein. Je sais pas, je te connais pas. Je sais pas si t'es une fille ou un garçon. Si c'est Maxime ou Maxence. Ou... Parce que je sais que c'est Maxence, c'est un nom féminin masculin au niveau de l'usine. Bon, de toute façon, je vais pas tarder à arrêter le live parce que la batterie, c'est de la merde. Il ne tient pas la route, la batterie. Moi, je termine la fin de la brocante. Hop, je récupère tout ce qu'ils n'ont pas récupéré. De toute façon, comme je les ai en contact, ils vont m'appeler parce qu'ils n'auront pas, d'argent pour la prochaine brocante. Et du coup, j'ai tout raflé. Donc pour moi, c'est tout bénef. En fait, les mecs, ils ratissent, mais pour moi, quoi. Non, c'est pas dans Paris, c'est dans le 92. C'est à Boulogne-Billancourt. C'est à côté des studios de Tout sur mon poste. C'est la rue de Silly, rue de Washington, je crois. Ou rue de Paris, je ne sais plus. La rue de Silly et je ne sais plus quoi d'autre. Des fois vous voyez quelque chose, dites-le moi parce que peut-être que je fais pas gaffe. De toute façon, le bâtard est coupé parce que après, une fois qu'il y a 10% de batterie, le téléphone il se coupe juste après donc ça sert à rien. Je laisserai 30 secondes et après je coupe. Il y a 15 secondes là-bas. C'est celui-là.
C'est pas tu bouges la musique. Tu bouges la musique. Normalement, c'est bon. Oh mon dieu, tu viens de louper une Dreamcast, c'est jeu. Oui, bien sûr. Je crois que je suis assez bête. T'inquiète pas, là-dessus, j'ai l'œil pour ça. Hein. Je suis pas non plus teubé. Hein. Ah. Non. Oh. Des jeux de foot. Non. Oscar Pokémon. Ah, j'ai vu des cartes Pokémon, mais c'est des fausses. Ah bah, pris pour Roma, ça donne et don des sous. Je comprends pas ce que ça veut dire. Léo, il était fan de la trompée. Ça c'est casse-couille ça, putain. Et bah du coup je fais le compte-rendu ce soir dès que je rentre. Je pense que j'aurai d'autres trucs hein, que je vais prendre. Bah, rendez-vous ce soir. Moi ça connu. Ou ce soir. Je ferai peut-être un live ce soir aussi. Et du coup, ben, je ferai compte rendu ce soir. Allez, à plus les amis. N'oubliez pas ce soir, vers, ou ce après-midi, je sais pas. Dès que vous voyez mon live, c'est bon. Allez, à plus, ciao.